cours semi privé maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on se prépare aujourd'hui, séance spéciale qui va être très bénéfique pendant le temps des fêtes. Donc, j'ai fait, dans le fond, 3 cours en un. 3 mini-cours. Donc, pendant ta Noël, si tu as envie de faire un petit 15 minutes, ben tu fais un 15 minutes. Si tu as envie de faire un autre cours, tu en fais un autre. Donc, tu peux cumuler les cours. Et puis, ben, c'est ça, j'ai fait 3 cours différents. Puis, on va commencer maintenant. Donc, on commence avec les squats. Les pieds à la largeur des épaules, le ventre est bien soutenu. Je veux monter et descendre uniquement avec mes cuisses et mes fesses. Descends bien les épaules. On a une belle posture, le corps bien dégagé. Attention aux genoux. On descend. En 2 temps et on remonte tranquillement. 1, 2 et là je lève les coudes, tire les bras derrière pour 5, 4, 3, 2, 1, descend 1, 2, remonte 1, tire, 5, 4, 3, 2, 1, descend 1, 2, 1, tire, 5, 4, 3, 2, 1, descend 1, 2, 1, tire, 5, 4, 3, on va rester en bas, reste en bas, demi-pointe et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquillement, remonte. Lève les coudes, tire sur les bras derrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On n'oublie pas de respirer. On remonte, lève les coudes, tire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descend. Et on lève, on tire. Et 5, 4, 3, 2. On va rester en bas. Garde la position. Sans les fesses. Demi-pointe. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on remonte. On se prépare pour faire la planche. On va faire de l'escalade. Donc, genoux, poitrine, 10 fois. Avec arabesque derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu vas voir. Alors, en position. Donc, genoux, poitrine, gauche, droite. Gauche, droite, chien tête en bas, rentre le ventre, pousse les fesses, descend les talons. Et 5, 4, 3, 2, 1. Reviens en planche, l'extension de la jambe gauche vers le plafond. Et 5, reviens. 4, 3, 2, 1. Change de jambe en position, jambe bien tendue. Et 5, 4, 3, 2, 1, chien tête en bas. On étire bien, ça fait du bien. Tu peux plier les genoux, ça te fait encore plus du bien. Et là, on va encore faire notre escalade genou-poitrine. On revient en planche. Bras bien tendus, genoux. Et 1, l'autre jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, dernière fois, 10, chien tête en bas, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on va revenir en planche et on va faire des mini triceps en position, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dépose les genoux, on relaxe, on déroule. On s'en va sur le côté, en position de la taille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je lève la jambe sur le dessus, toujours le ventre soutenu. Je veux que ma jambe d'en dessous, elle la rejoigne. Donc, je garde la position. 5, 4, 3, 2, 1. Descends la jambe du dessous et descends la jambe du dessus. Alors, rentre le ventre. On veut se mettre en position neutre, corps bien allongé, bien étiré, le côté de la cuisse vers le plafond. On grandit le corps. Excusez, on commence par la jambe. Gauche ou droite, lève l'autre jambe, garde la position pour 5, 4, 3, 2, 1, descend la jambe d'en dessous, l'autre sur le dessus. On remonte et hop, hop, extension 5, 4, 3, 2, 1, grandis bien le corps, descend 1, 2, on monte, 1, 2, extension 5, 4, 3, 2, 1, donc tu sens bien ta taille qui travaille, on monte et 1, 2, extension 5, 4, 3, 2, 1, descend. 1, 2, dernière fois, on monte. 1, 2, extension, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Les jambes à 90, on les tire bien le haut du corps. Mais derrière la fesse, on bloque bien la hanche. On lève les jambes,
Les pieds restent bien hauts, restent au même endroit. Bloque bien ta hanche, le ventre est soutenu. Mais derrière la fesse. On lève jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Quand on sent que la fesse se bloque, on pousse encore plus. Pousse ton genou vers l'arrière. Et là, on veut faire vibrer, trembler notre jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Descends en gardant la contraction comme si tu avais un ressort entre les jambes. On monte, on pousse, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descends en gardant la contraction. On remonte, on pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On remonte au pouce, pouce et 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. On monte au pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5, le ventre est soutenu et on descend. On monte pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. On monte au pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5, les pieds restent bien hauts. On monte au pouce, pouce et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. On remonte, on pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Dernière fois, on pousse, pousse et 5, 4, 3, 2, 1 et on descend. Ramène le genou, on relaxe les fesses, ça fait du bien. On tourne les chevilles, on reprend la position de la taille. Le ventre est bien soutenu. Donc là, je l'ai dit, on va chercher la taille et en même temps, on va travailler les adducteurs, les adducteurs. Alors en position, lève la jambe du haut, l'autre va aller la rejoindre. Je sens bien ma taille, mes abdominaux, mes droits, mes matins qui travaillent pour 5, 4, 3, 2. Et j'étire tout mon corps en longueur et en hauteur. Descends, descends, on remonte. 1, 2, extension. 5, 4, 3, jambes bien tendues, pieds pointés. Descends, 1, 2, on monte. 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1, descends la jambe en dessous. On va la rejoindre, on monte. 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1, descend, 1, 2, dernière fois, on monte, 1, 2, extension, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, les jambes à 90, le haut du corps bien allongé, bien étiré, lève les pieds, reste les pieds, garde les pieds bien haut, ventre soutenu, bloque ta hanche, bloque ta fesse, on monte, on pousse, pousse, 5 pulsations, plus fort du plus fort, et 5, 4, 3, 2, 1, on descend, gardant la contraction. On monte, on pousse, pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Pousse, pousse, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois. Pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Pousse, pousse et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, descend. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on relaxe un peu. Là, mettez-vous dans la tête que ça se peut que vous faisiez juste 15 minutes. Donc, il faut qu'il soit intense. Avant d'aller de l'autre côté, on va se mettre sur le dos. Et on se prépare pour faire l'enroulement. On prend nos haltères. On n'a pas d'haltère, prenez n'importe quoi. Corps bien allongé, bien étiré, on imagine quelqu'un tire sur nos jambes. On inspire, on lève seulement les omoplates, entre le ventre rétroversé. On descend bien les épaules, on monte dos droit, on vient bien allonger, on les tire devant, tire, tire, tire devant. Lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descend bien les épaules, bras devant, entre le ventre rétroversé et on vient dérouler vertèbre par vertèbre en gardant la contraction des abdominaux. Corps bien allongé, bien étiré. On inspire, on lève seulement les omoplates. On monte. Dos droit, on vient bien allonger. Tire devant. Lève les coudes. Tire sur les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descends bien les épaules. Bras devant, rentre le ventre. On commence par le coccyx. On vient dérouler vertèbre par vertèbre en gardant la contraction des abdominaux. On inspire, on lève seulement les omoplates. On monte. Dos droit, on vient bien allonger devant, lève les coudes, tire, tire les bras derrière et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descend bien les épaules, bras devant, entre le ventre rétroversion et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Dernière fois, on inspire, on lève seulement les omoplates, on monte, dos droit, on vient bien allonger, tire, tire, tire devant, on fléchit les pieds, lève les coudes, tire les bras derrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descend bien les épaules, rentre le ventre rétroversion et on vient dérouler vertèbre par vertèbre.
on reste sur le dos. Cercle de la jambe. Tu peux garder une jambe pliée ou les deux jambes bien tendues. Le ventre est bien soutenu. Ton bassin reste bien en place aussi. Jambe gauche, pliée. Développez. Extension vers l'extérieur et 1, 2, frôle le sol légèrement vers l'intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, frôle le sol légèrement intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, intérieur 1, 2, extérieur 1, 2, intérieur 1, 2, dernière fois 1, 2, intérieur 1, et là tout de suite dans l'autre sens, légèrement intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire. Légèrement intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Intérieur. Frôle le sol, rotation et on tire, tire, tire. Intérieur, on respire. Frôle le sol, rotation et on tire, 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 tire. Dernière fois, intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Et on relâche, change de jambe. Pliez développé, extérieur et 1, 2, frôle le sol, légèrement intérieur et 1, on essaie de coller le derrière du genou au sol, extérieur et 1, tranquillement, 2, frôle le sol, légèrement intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, frôle le sol, intérieur et 1, 2, extérieur et 1, 2, frôle le sol, intérieur et 1, 2, dernière fois et 1, jambes étendues, pieds pointés. Et on va rester ici, on fait le contraire, légèrement intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire avec l'intérieur de la cuisse. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire. On grandit les deux jambes, les abdominaux sont bien soutenus. On n'oublie pas de respirer et on tire, tire, tire. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Dernière fois, intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Et on relâche. On n'oublie pas de respirer, c'est important. Et on se prépare pour faire le teaser chandelle. Teaser chandelle, quand on le combine comme ça, vous allez voir, c'est le fun parce qu'on a l'impression de se balancer. C'est vraiment le fun. OK. Alors, teaser que tu peux faire les jambes pliées ou les jambes tendues. Donc, je vais venir plier, excusez, faire la chandelle. Je déroule, teaser, hop. On fait-tu une extension des deux jambes? Optionnelle. On regarde, faites-moi, la moitié du groupe, ils sont pas capables, on va le faire. Donc, tu peux remonter avec les jambes à 90 et chandelle, simplement. Alors, en position. Bras allongés, pliés. Chandelle, plié, oui, un instant. Mais tu peux mettre tes mains à tes hanches. J'espère. T'es pas obligé d'être plié, j'allais dire comme un sandwich. Alors, on y va. Déroule tranquillement en position teaser et hop. Puis là, j'aurais pu faire un petit hop, une petite extension. Et chandelle et hop. 3, 2, 1, teaser et hop. 3, 2, 1, chandelle et hop. 1, 2, 3, déroule, teaser et hop. 1, 2, 3, chandelle et hop. 1, 2, 3, teaser, garde la position, bras devant et 3, 2, 1, en haut et 1, 2, 3 côté et 1, 2, on se prépare pour la chandelle, chandelle et hop, 3, 2, 1, déroule, teaser et hop, 1, 2, 3, chandelle et hop, et on va venir tranquillement venir dérouler vertèbre par vertèbre, puis si vous remarquez dans cette position-ci, on peut se masser le dos, ça fait du bien. On s'en va de l'autre côté. On se prépare pour faire la taille. Corps bien allongé, bien étiré. Il faut que je vienne engager mes abdominaux devant pour aller chercher ma taille. Corps droit, droit, droit. Main devant. Descends les épaules. Respire. Souris. On est heureux. Ça se peut que tu sois une mauvaise humeur. Pas grave. Souris pareil. On lève la jambe. L'autre va aller la rejoindre.
Donc, je m'assure d'aller chercher ma taille et l'extension. Et 5, 4, 3, 2, 1, descend. Descend, on monte. Hop, hop, extension. Et 5, 4, 3, 2, 1, descend. 1, 2, on monte. 1, 2, extension. 1, 2, 3, 4, 5, descend. Hop, hop, on monte. Et 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1, descend. Hop, hop, dernière fois, on monte. Hop, hop, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les jambes pliées. Bloque bien la hanche. Lève les pieds restent toujours au même endroit. Mon tronc est bien allongé, bien étiré. Alors, on lève jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. On pousse un peu plus fort, plus fort, plus fort, le genou vers l'arrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, gardant la contraction. On monte, on pousse, pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, gardant la contraction. Et hop, pousse, pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Descend. Et hop, 5, 4, 3, 2, 1. Mes abdominaux sont contractés. On monte, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend et hop, 1, 2, 3, 4, 5, descend et 1, 2, 3, 4, 5, descend et 1, 2, 3, 4, 5, les pieds restent bien haut et hop, pousse, pousse, 1, 2, 3, 4, 5, descend, dernière fois et 5, 4, 3, 2, 1, et on descend, ramène le genou, on relaxe les chevilles, ça fait du bien, on respire. On se prépare pour faire la taille. Donc, si tu ne sens pas ta taille qui travaille, c'est parce que tu ne la travailles pas. Fait que juste ta position. Donc, corps bien allongé, bien étiré. C'est une bonne idée de la faire en partant. Puis après ça, on se dit, OK, c'est là que je me rends toujours. Et là, je reproduis. Lève la jambe vers le plafond. L'autre va la rejoindre. Extension. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descend. 1, 2, on monte. Et 1. Hop, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Descend. Hop, hop, on monte. 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Descend. Hop, hop, on monte. 1, 2, extension. 5, 4, 3, 2, 1. Descend. Hop, hop, dernière fois, on monte. On rejoint. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Les jambes encore à 90. Bloquez la hanche. Lève les jambes. Les pieds sont bien hauts, le ventre est soutenu. On monte jusqu'à temps que ça bloque. On pousse fort, fort, fort. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, gardant la contraction. On monte, pousse, pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Bloque bien ta hanche. Pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Deux fois. Pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Descend. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend. On relaxe un peu. Redressement assis pour aller chercher les obliques. Donc, mes jambes vont être pliées. Trois pulsations à gauche. Trois pulsations à droite. Je peux même prendre mes haltères. Donc, rentre le ventre, rétroversion. Je viens bien enfoncer le bas du dos dans le tapis. Je vais faire un redressement assis. Corps bien dégagé. Je m'en vais en diagonale vers le plafond. Je vais faire 3, 2, 1. Je descends un petit peu. Je m'en vais de l'autre côté. Et 3, 2, 1. Et on descend. Alors, en position. Rentre le ventre, rétroversion. Redressement assis. On pousse, on tient. On est dans une belle posture, torsion et 5 vers le plafond. Non, j'ai dit 3. 2, 1, l'autre côté, torsion et 3, 2, 1 et on revient. Donc, si j'ai commencé du côté gauche puis je suis allée à droite, là je vais aller à droite puis je vais aller à gauche après. On rentre le ventre rétroversion, redressement assis dans l'autre sens et 3, 2, 1, l'autre côté et 3, 2, 1. Et on descend. Je vais partir de l'autre côté. Rentre le ventre, rétroversion, redressement, torsion du tronc. Et 3, 2, 1, l'autre côté. Et 1, 2, 3. Et on descend. Rentre le ventre, rétroversion, redressement assis, torsion. Et 1, 2, 3, l'autre côté. Et 1, 2, 3. Et on descend. Encore deux fois.
crampe le ventre, redressement, ici, torsion. Et 1, 2, 3, l'autre côté. Et 1, 2, 3. Et on descend, dernière fois, crampe le ventre, rétroversion, torsion. Et 1, 2, 3, l'autre côté. Et 3, 2, 1. Et on relâche. On se prépare pour faire la fesse, crampe le ventre, rétroversion, pour seulement le bassin. 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, demi-point, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sur les talons. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Pause. Et peut-être prochain cours. Centaine. Alors bonjour. Deuxième cours. On commence avec la centaine. Rentre le ventre, rétroversion, descend bien les épaules, tire les bras, tire les jambes. Si tu veux, tourne les jambes. Descends un peu les jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On tourne un peu les chevilles. On se prépare pour faire la planche. Je vais faire centre, droite, centre, gauche, et puis je vais faire 5 pulsations. Alors en position, je vais commencer au centre. Donc 5, 4, 3, 2. Mais là, tu pourrais être sur l'avant-bras aussi, comme tu veux. 5, pulsation. 4, 3, 2, 1. Centre, et tu peux être sur les avant-bras. 5, 4, 3. À la limite, les genoux au sol. 2, 1. L'autre côté. Pousse la tête vers le plafond et 5, 4, 3, 2, 1, centre, 5, 4, 3, 2, 1, côté, 5, 4, 3, 2, 1, centre, 5, 4, 3, 2, 1, côté, 5, 4, 3, 2, on revient et on relâche. Sur le côté bicyclette, la jambe toujours à la hauteur de la hanche. Les jambes peuvent être légèrement en V, mais la jambe à la hauteur de la hanche, ventre soutenu. On amène la jambe devant, pilier, pied, genou à la hauteur de la hanche. On amène le plié loin derrière jusqu'à temps que la fesse se contracte par elle-même. Pousse le derrière de la cuisse et on tire, tire, deux jambes bien tendues. On amène la jambe devant, plié, loin derrière, on bloque. Pousse et on tire, tire et devant, contracte bien les abdominaux, loin derrière et on tire, tire, tire encore deux fois et devant, plié, loin derrière, pousse, tire, tire, dernière fois et là on va rester derrière, plié, loin derrière et on reste derrière, deux jambes bien tendues, plié, pousse encore plus pour vraiment aller chercher les ischios, on amène le plié devant et on tire, 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 loin derrière. Plié, pousse, pousse. Plié devant. Et on tire, tire, tire. Loin derrière.
plier pouce-pouce, plier devant, et on tire, 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 loin derrière, plier pouce-pouce, plier devant, et on tire, 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 dernière fois, loin derrière, plier pouce-pouce, plier devant, et on tire, 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 et on relâche. Corps bien allongé, bien étiré, mes jambes peuvent être légèrement en V, je viens plier, développer, fléchis le pied et on descend. Plier, développer, flex, descend. Plier, développer, flex, descend. Plier, développer, fléchis le pied et on descend. Plier, développer, fléchis, descend. Plier, développer, tire bien le talon, grandis la jambe et plier. Développer, fléchis et descend. Plier, développer, fléchis, descend. Encore deux fois, plier. Développer, fléchis, descend. Dernière fois, plier. Développer, fléchis et on descend. Adduction, la jambe sur le dessus, on va derrière. Les orteils au sol, talon plafond. Et là, on va faire 5 cercles devant. Donc, 10 cercles. OK, mais des petits quand même. Donc, toujours l'intérieur de la cuisse vers le plafond. On va juste en faire un beau. Hop. Puis, j'amène ma jambe bien devant et je reviens. Donc, on garde ça en tête. Ma jambe garde toujours la même position. Tire bien ton talon, cercle devant et 10. Pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond. 9. 8. Tranquillement. 7. 6. 5. On respire. Talon vers le plafond. 4. 3. 2, 1, on revient, relax 2 secondes, reprends tout de suite la position, hop, puis on va venir les faire vers l'arrière, donc descend, on amène le pied devant, extension vers le plafond et ramène la jambe, on est prêt, la jambe garde toujours la même position, vers l'arrière et 1, pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond, 2, extension, 3, le ventre est soutenu, 4, 5, on respire. 6, 7, 8, grandis la jambe. 9 et 10. Et on relaxe. On fait des petits battements, ça fait du bien. On se prépare pour faire les grands cercles. Corps bien allongé, bien étiré. Mes jambes peuvent être légèrement en V. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant, grandis tes deux jambes, on tire, tire, tire vers le plafond et j'amène ma jambe loin derrière, le plus loin possible et je garde, je laisse pas tomber ma jambe. On amène la jambe devant, extension, on tire, 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 on amène la jambe loin derrière et la descente est contrôlée. Loin devant, mes abdominaux sont bien soutenus, extension, on tire, tire les deux jambes et on amène la jambe loin derrière. On amène la jambe devant, extension, on tire, 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 tire. Et on amène la jambe loin derrière. Dernière fois. Extension et on tire, 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 tire. Et on amène la jambe loin derrière. On va aller de l'autre côté. On se prépare, non pas l'autre côté, sur le dos. On se prépare pour faire l'extension des deux jambes. On peut prendre les haltères aussi. Donc, tu descends à la hauteur qui te convient. Donc, c'est tes abdominaux qui travaillent dès que le bas de ton dos commence à compenser. Tu es allé trop loin. Reviens. Prends le ventre rétroversion. Extension des deux jambes. Je peux rester en redressement assis avec les quadriceps devant moi ou faire une rotation externe pour avoir l'intérieur des cuisses devant moi. Tu pourrais même garder les jambes pliées si tu veux. Alors, descends. Et 1, 2, remonte. Et 1, 2, descends. Et 1, 2, remonte. Et 1, 2, descends. Et 1, 2, remonte. Et 1. Moi, j'ai comme combiné. Je viens de faire une rotation, puis là, je vais ramener mes jambes. Hey, bonne idée, Marie-Claude! 1, 2, remonte. 1, 2, je pourrais alterner une jambe, l'autre jambe. Remonte. Donc, mettons, jambe droite. J'ai-tu dit, mettons. Jambe gauche. 1, 2, jambe droite. 1, 2, et 1, 2, deux jambes. Et 1, 2, et 1, 2, dernière fois, et 1, 2, et on revient sur le ventre grenouille, ouvre les cuisses,
pousse les jambes, pousse les pieds vers le plafond. Et pour 30. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coquillage avec les mains, on pousse le bas du dos, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. Honnêtement, il faudrait le refaire. On n'a pas vraiment le choix. On y va. On ouvre les cuisses, pousse vers le plafond et 1, 2, 3, 4, 5. Pour être bien honnête, il faut le refaire. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coquillage rapide. On vient dérouler. On retourne sur le dos. On se prépare pour faire redressement assis avec les jambes au plafond. En position. Pousse les mains vers les chevilles. Si tu veux, descends un peu les jambes. N'oublie pas de descendre tes épaules, le corps bien dégagé. Et 5, 4, 3, 2, 1. Descends en gardant la contraction. Même si tu préfères une extension des deux jambes, juste si ça te tente. On remonte. Et 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On reprend la position. Rentre le ventre, rétroversion. Dégage le corps. Développé. En position. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Sur le côté, bicyclette, corps bien allongé, bien étiré. Tu peux mettre les jambes légèrement en V. On lève la jambe à la hauteur de la hanche, les hanches une sur l'autre. Toujours le côté de la cuisse vers le plafond. On amène la jambe devant, pliée. On amène le plié loin derrière pour vraiment aller au maximum. Chercher la contraction de la fesse et le derrière de la cuisse. Pousse le derrière de la cuisse et on tire de jambes bien tendues. On amène la jambe devant, pliée. On amène le plié loin derrière, pousse. Tire et devant, plie, loin derrière, pousse, tire, devant, plie, loin derrière, pousse, tire, dernière fois et devant, plie, loin derrière et on reste derrière, deux jambes bien tendues, plie derrière, on pousse encore plus, on amène le plié devant et on tire. Loin derrière, plié, pousse, plié devant, et on tire. Loin derrière, plié, pousse, plié devant, et on tire. Loin derrière, plié, pousse, plié devant, et on tire. Dernière fois, loin derrière, plié, pousse, plié devant, et on tire. Et on relâche. On relaxe un peu les chevilles. Corps bien allongé, bien étiré. Encore une fois, mes jambes peuvent être légèrement en V. Je viens plier, développer, fléchir le pied, tire bien le talon et on descend. Plier, développer. Oui, des belles jambes. Et on revient. Non, ça, c'est normal. Plier, développer. Flex, j'ai oublié de fléchir. Et on descend. Plier, développer, descend. Plier, développer, on fléchit et on descend. Plier, développer, fléchit et descend. Plier, développer, flex, descend. Plier, développer, fléchit. On étire tout le dessous, la plante du pied en même temps, ça fait du bien. Développe, flex et on descend. Dernière fois, plier, développer, fléchit
Et on descend, induction, la jambe sur le dessus s'en va derrière l'intérieur de la cuisse vers le plafond. On en fait un premier juste pour être certaine qu'on le fait bien. Donc, cercle devant. Donc, vers le plafond, on amène le pied devant, roule le sol et hop. Donc, cercle un petit peu moins plus petit. Devant et un. Pousse l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Cinq. Six. Grandis bien la jambe. 7, tire bien le talon. 8, hop. 9, hop. 10, on va simplement se replacer, refaire celui vers l'arrière. Donc, on lève la jambe de cette position-ci. On vient descendre. On amène le pied devant et on tire, tire, tire. Et on ramène la jambe. Alors, en position et derrière, on monte. Et 2, hop. 3, contracte les abdominaux, 4, hop, 5, hop, 6, grandis bien la jambe, tire bien le talon, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, hop, et on relâche. On fait des petits battements, ça fait du bien. On se prépare pour faire le grand cercle. Ah, bien allongé, bien étiré. Les hanches une sur l'autre, on lève la jambe à la hauteur de la hanche. On amène la jambe devant, on tire, 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 tire vers le plafond. On amène la jambe loin derrière, le plus loin possible. Et on amène la jambe devant. On tire, 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 on grandit les deux jambes. Et loin derrière. Et devant, contracte bien tes abdominaux. Et loin derrière. Et devant, on tire, 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 tire. Et loin derrière. Dernière fois, devant. Et on tire, 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 tire. Et loin derrière. Et le cours est terminé. Option. Troisième cours. On est prêt. Alors, tranquillement, on va venir dévouler. Donc, on se prépare. Troisième cours. Fente arrière alternée. On peut prendre des haltères. On fait quatre cours en un? Non, trois cours. Ça clenche, hein? Descends bien les épaules. Donc, on va faire un grand pas derrière, dos droit. Et un. Et on revient. Change de jambe. Et deux. Et on revient. Et trois. Reviens. Et quatre. Reviens. Et cinq. Reviens. Et six. Reviens. Et 7. Reviens. Et 8. Reviens. Et 9. Reviens. Dernière fois. Et 10. Et on revient. On refait la planche. Refait parce qu'on l'a fait dans les autres combats. Planche, triceps. En position. 5 pulsations. 5. 4, 3, 2, 1, je suis en bas. Et 5, 4, 3, 2, 1, push-up. 2 push-up et 1. Hop, 2, hop, chien. Et 5, 4, 3, 2, 1, tricep. Et 5, 4, 3, 2, 1, chien. Et hop. 5, 4, 3, 2, 1. On revient et on descend. Extension des jambes avec battement vers le plafond. Alors en position, on peut garder la tête au sol. Extension des jambes. On fait des petits battements rapides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On refait la même chose. Il y en a qui aiment ça le faire avec les bras alternés en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coquillage.
Avec les mains, on pousse le bas du dos, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. Et on vient dérouler vertèbre par vertèbre. On se met sur le côté. Là, il va y avoir trois niveaux. Le niveau bas, moyen et haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mon genou devant. Je vais venir étirer la jambe, le côté de la cuisse vers le plafond. Je vais faire cercle devant. C'était juste cercle devant, il me semble. Est-ce que j'ai écrit ça, donc? OK, elle est portée. OK, cercle devant et cercle vers l'arrière. Après ça, devant, moyen, cercle devant, derrière. Et là, super élevé. En position. Rentre le ventre rétroversion. Donc, je vais me mettre en position neutre, les abdominaux bien soutenus. On lève la jambe à la hauteur de la hanche. Plié. Développe, on tire, tire. Petit cercle vers l'avant, toujours le côté de la cuisse vers le plafond. Et 5, extension. 4, 3, 2, 1, vers l'arrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Plié. Et développer plus moyen. Moyen, le côté de la cuisse vers le plafond. Et 5, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient le plus haut possible. Plier, développer loin derrière, le plus haut possible. Le genou quasiment vers l'intérieur, devant. Et 5, grandis les jambes. 4, 3, 2, 1, loin derrière, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Les jambes pliées, bloque bien la hanche, rentre le ventre rétroversion. Je vais lever ma jambe jusqu'à temps que ma fesse se contracte par elle-même. Pieds et genoux de la même hauteur, et là c'est comme si j'avais un crayon au bout du genou. Je vais faire un cercle vers l'avant, hop, et je vais venir descendre. Je vais faire ça 10 fois, sans relâcher. Alors, en position, descend bien les épaules. Et hop, cercle devant. Hop, on rebloque. Et on descend en gardant la contraction. Et hop, cercle devant, bloque. Et on descend. Et hop, cercle devant, hop, bloque bien la hanche. Et on descend. Et hop, cercle devant, bloque. Descend. Et hop, cercle, bloque. 5 fois encore. Et hop, devant, bloque. C'est dur, hein? Descends. Et hop. Devant, hop. Descends. Et hop. Devant, bloc. Descends. Et hop. Devant, bloc. Descends. Dernière fois. Et hop. Devant, bloc. Et on descend. Ramène le genou. On relaxe les fesses. Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Hein? On se prépare pour faire la taille. Corps droit, droit, droit. On va juste garder la position avec l'extension du corps. En position et hop, je vais aller chercher ma taille. Corps bien allongé, bien étiré. Et 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Mais là, il me semble que j'aurais poursuivi, là, mais on va faire la même chose. Mais cercle vers l'arrière. Ça va être tough, mais on est capable. C'est comme ça qu'on progresse. Alors, en position, abdominaux isolés, bloque bien la hanche, on lève, hop, pieds, genoux de la même hauteur. À la limite, je pousse mon genou vers l'arrière, cercle vers l'arrière. Un, on revient, hop, on bloque, on garde la position et on descend en gardant la contraction. Main derrière la fesse, on bloque bien la hanche et hop, derrière, hop, descend et hop, derrière, hop, descend et hop, derrière, bloque, descend. Et hop, on est capable. Derrière, bloc. 5 fois. Et hop. Derrière, bloc. Descends. Et hop. Derrière, hop. Descends. Et hop. Derrière, bloc. 2 fois. Et hop. Derrière, bloc. Descends. Dernière fois. Hop. Derrière, bloc. Et on descend. Et ça touffe, ça. Et ça fait vraiment longtemps qu'on l'a fait. Sur le dos, extension du matin. Alors, le ventre reste bien soutenu, les épaules bien basses. On expire et on tire, tire, tire. Hop! Et 3, 2, 1. Et on ramène les bras, les jambes. On expire, on tire, tire, tire. Et 3, 2,
Ah, et on ramène les bras et les jambes. Tu peux garder le bas du dos enfoncé dans le tapis. On expire, on tire, tire. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, je l'ai fait plus, excusez-moi. Et on revient. On expire, on tire, tire, tire. 3, 2, 1. Et on revient. Dernière fois, on expire et on tire, tire, tire. Et 3, 2, 1. Et on ramène les bras et les jambes. Sur les genoux, on va venir balancer. Travailler nos quadriceps. Donc, en même temps, bras devant et on revient dos plat. On vient vraiment ouvrir le buste, pousser les épaules vers l'arrière. En position. Hop. Et on revient. Descend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois, 1, 2, 1, 2, et on relâche. Astronaute, vas-y. Astronaute. On descend jusqu'à temps qu'on est en contraction et on remonte. Donc, en position 1, 2 et on remonte. 1, 2, descend et 1, 2, remontez. 1, 2, descend. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, on relaxe 2 secondes. Maintenant, avec une jambe, donc remonte un genou, descend, tire la jambe. On remonte et on étire. Toujours les abdominaux soutenus, le ventre rentré. On y va pour 5 fois. Descendez les épaules. Donc, genou pour commencer. Et on vient descendre. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois, 1, 2, 1, 2, relax 2 secondes, on va changer de jambe, on n'oublie pas de respirer, genou, change de jambe, et 1, 2, 1, 2, corps bien dégagé, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dernière fois, 1, 2, 1, 2, et on relâche. On s'en va de l'autre côté. Donc, on va aller porter la jambe, cercle vers l'avant. Alors, en position, le genou. Petit cercle et 5, 4, 3, 2, 1, dans l'autre sens. Ah oui, dans. Et 5, ah oui, 4, 3, on devrait le faire l'autre bord par exemple. On amène le genou devant, moyen, et hop, tire, 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 le genou un peu vers l'intérieur, et 5, extension, 4, 3, 2, 1, dans l'autre sens, et 5, 4, 3, 2, 1, genou devant, loin derrière, on tire, 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 le genou un peu vers l'intérieur, et 5, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière, et 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Les jambes pliées, entre le ventre, rétroversion, bloque bien la hanche. On lève jusqu'à temps que ça bloque sans reculer la hanche. On pousse, hop, on vient barrer, pousse davantage. Cercle devant, 1, hop, garde la contraction, descend, garde dans la contraction. Et 2, cercle devant, et hop. Et on descend, bloque bien ta hanche. Et
3. Cercle devant. Hop, la jambe reste parallèle. Descend. Et 4. Devant. Hop. Descend. Et 5. Devant. Hop. Descend. Et 6. Devant. Hop. Descend. Et 7. Devant. Hop. Descend. Et 8. Devant. Hop. Descend. Et 9. Devant. Hop. Descend. Dernière fois. Et 10. Devant. Hop. Et on descend. On relaxe. On se prépare pour faire la taille. Corps droit, droit, droit. 20 pulsations. Ventre soutenu. En position. Hop. On va chercher notre taille. Un coup qu'on la sent bien. On veut la faire, la tordre. La contracter au maximum. Tire bien tout le corps. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Cercle vers l'arrière. Ventre soutenu. Bloque bien la hanche. Hop. Et derrière. On revient, on bloque bien, on pousse bien le genou. Et on descend. Et 2. Derrière. Bloque. Descend. Et 3. Derrière. Hop. Descend. Et 4. Le ventre est soutenu. Derrière. Hop. Descend. Et 5. Derrière. Hop. Descend. Et 6. Derrière. Hop. Descend. Ça prend du power, ça prend du mental, j'allais dire. Hop. On continue. Descend. Et 8. Derrière. Pousse, pousse. Descend. Et 9. Derrière. Pousse, pousse. Descend. Dernière fois. Et 10. Derrière, pousse, pousse, et on descend. Et la deuxième fois, ça va être aussi difficile, mais dès la troisième, je suis pas mal certaine que ça va être moins pire, puis qu'on va être vraiment fiers de nous. On va tester ça en revenant de Noël, là. On va le voir tout de suite. Quelques redressements assis, et c'est terminé après. Sur le dos. Rentre le ventre rétroversion. Descends bien les épaules. Devant. 5, 4, 3, 2, 1. Descends, garde dans la contraction. On remonte, hop, pousse, pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend, remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend, remonte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend. Dernière fois. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On étire le corps. On garde les jambes bien tendues. Descend bien les épaules. Rentre le ventre rétroversion. Redressement. Si on pousse, on tient. On va aller vers la droite. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vers la gauche, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on étire le corps, dernière fois, même chose, en position, descends bien les épaules, diagonale, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'autre côté, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, et c'est terminé, on tourne les chevilles, ça fait du bien, on se remplit d'énergie positive, on prend des grandes respirations, on inspire en 5 temps, on expire en 5 temps. Et on dit bravo, que t'as fait la moitié d'un petit cours ou le petit cours au complet, que t'en as fait 2 ou 3. Ben regarde, il y en a qui ne l'ont pas fait. Monte les épaules, squeeze les omoplates, descend les épaules, tu as bien le cou. Et on allonge, on étire devant. Et on monte, squeeze, descend, tu as bien ton cou. Et on allonge, on étire. Et on monte, squeeze les omoplates, descend. Et on étire. On va faire le contraire. Descends. Squeeze.
les omoplates, monte les épaules et on allonge, on étire devant. Descends. Squeeze, monte. Et on allonge, on étire devant. Dernière fois. Descends. Squeeze, monte. Et on allonge, on étire. On ouvre les jambes, on allonge, on étire d'un côté. L'autre côté. Je regarde mon plan de cours pour m'assurer que j'ai rien oublié. Tu sais, quand tu le sais que c'est fini, puis là, ah non, j'ai oublié quelque chose. On fait quelque chose d'autre. Teaser avec l'extension des deux jambes. Mais non. Fléchis les pieds. On repointe. Et on se dit bravo. À la prochaine. Bye bye.